Donc, tout le monde, c'est Nox. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur FUT16. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo d'achat en vente. Donc, bombardez-moi la barre de like pour plus de vidéos d'achat en vente. Donc, aujourd'hui, ça va être, je vais vous montrer plutôt une liste de joueurs entre 0 et 10 000 crédits. Ouais, 10 000 crédits. Voilà. Donc, c'est une liste de petits budgets. C'est pour vous faire plaisir parce qu'il y en a. Ça vient de commencer FIFA et FUT. Donc, il y en a, ils n'ont pas beaucoup de crédits. Moi, j'en ai assez grâce à l'achat en vente. Et un peu opaque, donc c'est pour vous cette liste. Donc il y aura une explication à la fin et la liste, je vais vous la montrer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 15 ventes. Regardez, vous voyez, j'ai 15 ventes. Elle vient juste de se finir l'heure. J'ai 15 ventes, donc vous pouvez le voir en plus. Regarde, je viens de juste de les relister les autres. Il y a 56 minutes, ça fait 4 minutes que que 4 minutes que je les ai relistés. Et regardez tous les joueurs qui sont partis pendant cette heure là. Donc les mecs, la liste, je vais les citer et mettez pause pour voir si vous voulez prendre un screenshot, etc. Donc mettez pause, voilà, comme je vous dis, pour mettez pause. Bref, donc il y a Diarra, Fernando, Casilla, Wanyama, Contrao, Rodrigo, Gervinho, Kaboul, Gomis, Feghouli. Ensuite il y a Meikon, Ogbonna, Trapp, Vanderville, Boutchaï, Ocampos, Gibbs, Campbell, Diaby, Tremolinas, Dente, Carvajal, Parejo, Gabriel, Subotic, Van Persie, Sanya, Mota, Moreno, Debuchy, Ruffier, Montréal, Vermaelen, Alessandrini, Montero, Perez, Aurier, Bravo, Bovu, Quaresma, Ter Stegen, Lennon, Ben Arfa, Valbuena et Campbell. Voilà la liste des joueurs à 0 à 10 000 crédits. Donc voilà. Donc les mecs, on va passer à l'explication de la technique. C'est pas vraiment une technique, c'est la même technique toutes les années. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Je vais prendre. On va prendre Fernando. Parce que moi, il part bien, les mecs. Il part bien. Donc un exemple. On va taper Fernando. Fernando, voilà, pas Fernandinho, Fernando les mecs. Donc on va mettre, il y en a combien? Ouais, il y a 1006. Bon, voilà, les mecs, vous allez dire, ouais, bon, puis il est 400 moins cher. Attends, il est 400 moins cher. Ouah, il est 400 moins cher et tout. On va te dire, ouais, mais un contrat 60 ans de forme. Faut jamais prendre ça, les mecs. Au moins, comme celui-là, 17 contrats et 99 de forme. Ouais, ou par là, ou au moins 10 contrats 93 de forme. Et ça va, mais le plus conseillé c'est au moins 95 de forme et au moins un contrat. Donc on va essayer de le choper à 1005. Il y en a un 1005 ou pas? 1005. Alors, ou sinon on fait un peu de tech 59. Tu mets 1004, 1003 par là. C'est celui de choper. S'il n'y en a pas, tu prends le moins cher tout simplement. Attends, 1002, 1004, 1003. On va mettre 1005, les mecs. On va prendre juste pour la vidéo. On va prendre un. 1005, on va pas faire de la tech 59. Et si, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez la technique de la tech 59 et des joueurs pour la tech 59. Bref, donc on va acheter Fernando. Comme je vous dis, ça passe, mais le plus conseillé c'est 95 de forme. Donc on va le prendre quand même à 1005. Ouais, voilà. Ouais, le Epic Fail. Quand même, je voulais le prendre, il y en a, il est parti. Donc on va voir si on peut le choper. On peut le choper. Ça va être compliqué. Ouais, comme je vous avais dit. Bon, on va le prendre 1004, 1005. Bon, on va prendre lui. On va prendre lui, on va l'acheter. Même pas. Lui aussi, attends, il est parti. Les deux sont partis. Encore un autre fail. Putain, il me troll ou quoi il est... Alors, ouais, c'est les mêmes. Putain, c'est chiant. Donc, on va mettre 1006. On va acheter sur la 17 contrats, voilà. Tout simplement. Voilà, encore. Mais je suis de ma gueule ou quoi? Wow. Attends, je fais quoi là? Putain. Hein. On va prendre de... Ouais, lui. Ah voilà, enfin. Donc l'a acheté, c'était le moins cher avec 7 contrats et 90 de forme. Donc ça va, nickel. Donc, vous prenez Fernando, vous mettez listé sur le... le marché des transferts, voilà. Et je vais juste dire ça avant. Il n'y a pas besoin de style encore. Vu que les gens pack et les mettent directement, il n'y a pas besoin de style. C'est peut-être au milieu de l'année ou peut-être un mois après le début du jeu.
Il faudra mettre des styles, mais là, s'il n'y a pas un style, je peux le choper de base, tout simplement. Mais c'est mieux avec un style, comme c'est normal en même temps. Donc, on l'a acheté 1006. La technique, c'est de mettre 900 plus cher. Ça dépend si toi, tu veux mettre 900, 1000, 1001. Moi, je vous conseille 900. Je vous conseille 900, donc... Voilà, là, je vais le mettre à 900 plus cher, donc à 2005. Voilà, Fernando. Donc, voilà, on l'a listé. Et donc on peut l'enlever de la liste de transfert. Il est où, Fernando? On va l'enlever de la liste de transfert. Dès que vous achetez le joueur qui a été vendu, dès que vous l'achetez, vous listez sur la liste de transfert. Vous l'enlevez de la liste de transfert, soit qui a été vendu. Donc on va le retrouver. Il est où, Fernando? Non mais il est dans le dernier. Voilà, il est là, Fernando. Donc voilà, il est listé. Et aussi, si vous allez me dire, ouais, pouce rouge parce que il part pas en une heure. Les mecs, s'il part pas en une heure, c'est normal. Et soit t'as de la chance, il part en une heure. Ou normal, il part en une heure, quoi. Ou sinon, il va partir dans les heures qui suivent. 2, 3 heures, 4 heures, c'est max, un jour. Il va partir, mais c'est obligé. Et qu'il va partir, c'est obligé. Obligatoire plutôt qu'il va partir. Bref. Aussi, le plus conseillé, c'est pas t'achètes un joueur. C'est peut-être qu'il va pas se vendre, tu vois, direct. Que si tu remplis ta liste de transfert au max, là, tu vas avoir. Du bénéf à mort. Et juste au passage, voilà. Si vous venez de commencer fut et vous dites ouais mais moi je veux acheter plein de joueurs, j'ai un exemple 50 000 mais j'ai de remplir à fond et j'ai que 30 places. Vous allez dans personnaliser, c'est plus dans accueil maintenant, c'est dans personnaliser, vous allez dans catalogue. Après je crois c'est quoi ce bug. Voilà, vous allez dans Ultimate Team et vous achetez les tailles de liste de transfert. Voilà, ça, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Ou si vous êtes niveau 0 parce que vous voulez créer, c'est un nouveau compte, ou vous voulez créer un compte spécial pour l'achat-vente, vous demandez à votre pote, il a juste à faire ça. Cadeau à un ami et vous l'envoyez, par exemple, à Kalash ou un frag, un exemple comme ça. Donc voilà. Donc. Les mecs, j'espère que ce tuto d'achat remonte et cette liste va vous faire plaisir pour les petits budgets. Donc, si la vidéo t'a plu, mets un like. Et à 50 likes, je vous sors un gros épisode d'achat remonte. Donc, sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Bye bye. On vend, t'achètes et puis on se part en Espagne. Des talons, un gros poulet, j'parle en comme Oesta. Chica, chica, vida, loca, chico, loco. A chica, chiquette, vendeur, taga, zippe, coco. J'kiffe, si t'es la plus